Maurice, nous venons d'un pays tropical, ben, Capricétan, nous pas qu'à faire, non, Capricétan, nous voulons accepter. Ben, soit les gens disent, oh, nous voulons planter, nous avons un problème, ben, c'est bien si nous voulons des temps, nous pas qu'à faire, non, nous voulons s'assiser, trois amis, nous voulons s'assiser, non, pour ben, nous voulons servir le même principe que nous voulons, car, sauf nous voulons faire un pays, il y a un même plan que nous voulons planter, là, que nous voulons dire qu'on met mauvais temps, c'est pas cyclone, nous voulons ramasser, puis mettre le temps là. Il y a beaucoup de plans flair qui m'ont ramassé. Si vous voulez mon carreau flair, une classe 4 qui passe sur mon carreau flair, ben, moi vous dire, ben, nous prenons la peine, nous nous protégeons. Beaucoup de gens qui nous protégeons, nous nous protégeons. Parce que même si vous ne pouvez pas vous agrandir, vous avez le bazar, vous avez les légumes, vous avez les épices de bazar. Mais dans le pauvre flair, vous avez la plante sur votre mili. Dans le petit pot, vous avez la plante sur votre pouce, du café, vous avez un petit sapot sur la cousine. Maintenant, vous avez le temps de ramasser mes temps dedans. Il y a un trap pour lui, mais plus pour lui. La place à l'pays, ça c'est quand il y a un place. Papa, il va vous gagner, mais son casse, il ne va pas gagner. Ben, s'il y a une petite affaire, il va ramasser, il va planter, il va pouvoir ramasser son carreau, mettre dans l'abri. C'est une plantée, un gros carreau automatique, comment il va mettre dans l'abri? Un consommateur, un petit pauvre, il va mettre son carreau automatique, il va plutôt tomber, il va ramasser, il va mettre en dedans, il va prendre un automatique, après cyclone. On reste tout comme planté, moi, je vais planter, une vraie planter. On travaille dans la vente, on travaille dans le bazar. Là, je dis où est-ce que je dis un carrosage avec côte en flair, on a le laiti, on a le cotomili, c'est dans le lac et soignon. La plus grande, si vous voulez, nous avons tout. Mon carreau est plein de l'eau. Non, je vais gagner. Si vous avez un petit planté un petit peu dans le flair, mon pichel, il y a un cotomili. Là, je repasse ma machine encore, je vais ré-raster la grain, réinvestir pour nous replanter. Mais c'est ça qui nous fait nos domaines, ça, nous pas qu'à croiser, voir, assiser. Là, je vais planter d'après des oiseaux, je vais aller sur le mauvais temps encore. Par contre, pour une plantation flair ici, je me dis où mon carreau de légumes est grand, il n'est pas en pomme, mais je ne vais pas ramasser. Pour carreau flair, je vais poter ici. Pour ça, je me dis beaucoup, je vais poter ici. Je vais poter mon flair, je vais poter mon plan flair, je vais poter mon ça. Mon plan, si vous voulez mon carreau flair, je vais dire si il y a une passion de classe 4. Mon carreau flair, encore fleuri, bien tout. Là, vous voulez mon pied, on connaît un fruit, je vais mettre pitaya, on connaît mon pitaya, le pied. Pour ça, je vais me dire, un petit affaire, ce carreau, ramasser le gars dedans. Pour une grande plantation, pas qu'à ramasser. Quand je dis ça, je suis capable de prendre des précautions, je garde un petit peu pour consommer après un mauvais temps. Je n'ai pas de misère, je vais donner la peine. Si vous avez un potager, vous avez un petit jardin. Il y a beaucoup de façons de sauver une plante. Si vous connaissez telle plante, vous n'êtes pas content du lot. Ramassez, vous mettez l'intérieur. Vous voyez, même comment on prend l'exemple, comment j'ai un filante. Si vous avez un filante, si la pipe est tombée, il est fini. Si vous voulez mettre en dedans, il est fini. Si vous voulez mettre en dedans, il est fini. Moi aussi, je vais mettre en dedans. C'est la même plante que nous ne pouvons pas bouger. On faisait faire pouling, mettre la terre, mettre le fumier, remettre du sel, réarroser, redresser, laver ça, dit l'eau salée, l'eau salée, dit l'autre. C'est comme l'eau salée, dit l'eau salée. Mais nous, là, ça dit l'eau salée, là, on peut se faire là, ça. Mais beaucoup sauve, car sauve, est-ce que moi, je suis un bon sauve, mon carreau flair, mon carreau légume, mon carreau sauve. Ils sont là, ils sont trop grands, ils sont trop belles, carreaux. Mais moi, c'est moi qui vous conseille, je vous ces plantes antiguines, beaucoup d'idées pour gagner le YouTube. Comment faire mettre la graisère, mais comment planter, combien de temps pour gagner. Beaucoup d'espoir pour gagner. Donc, je vais faire pollution, je vais 2.5, je promener partout dans la nature, je faire pollution. Je fais ça, je vais donner un coup de bain encore dans la nature. Si je fais pollution, amener la case, couper, faire une peau, planter. Je vous servis même dit, mais il y a une plante, côté milieu, une bague, une petite boîte, l'autre. Mais je vous disais, non, mais nous avons un problème, la terre pas bon, l'autre pas bon. Mais la terre est bon là, vous prenez tout, mais c'est dans la poubelle. Et là, bon, la terre, vous doucez, mais vous ne pouvez pas faire la terre, la terre. Qui fait que vous avez tout le monde décédé la cousine dans la poubelle, ou une légume, ou une joignon, pomme de terre, ou une qui est là, là. Tout ça est bon là, mais vous pouvez tout le monde. Prends un petit coin, vous pouvez dépoffler, vous pouvez faire où je compose dedans. Pour appeler la terre, maintenant ça compose là, ça vous plantez, ou légumes, ils viennent naturel, ou peut-être mettre insecticides, des pesticides, non, là, là, là. Naturel, ils viennent faire ou compost, ou planter les légumes. Ou on va manger sain, on va manger propre. Ça la peine que vous faites pour commencer à décès. Il n'y a pas de décès sans brésil. Moi, je dis décès, ou du tout, que ce moment-là, c'est d'abord décès. C'est ça, c'est l'eau, ça. Tout le monde, les légumes qui restent brésil. Ça, si nous, on va se faire ça. Ça la peine d'aller payer ça. Ou montrer ça aux enfants, les grandis, ils continuent là-dedans, ils vont montrer ça aux enfants, comment on va faire un fruit, une tombée de lac ou un dessin, un légume, comment on peut faire ça, une compost. Parce que ça, l'énergie, vitamine, tout brillant, ça, vous êtes malade, vous avez besoin de dépenser cash dans la pharmacie,
Moi, je disais, dis-moi aussi, vous enfants, un bon maillet, les papas connaissent qui vous êtes, qui pas vous êtes. Il est venu pareil, comment longtemps, nous, en famille, sur un vase. Si je me dis, on plante les légumes au cacavas. Nous n'avons pas assez mal sens, pas dans vase. Pas dans ça pour nous planter les légumes. Mais il y a une autre solution. Ils sont donnés à la cousine, même les pialés. Nous avons stédié en haut, nous l'amener. Nous avons besoin de prendre des gros temps, nous l'amener. Nous avons besoin de la cousine, nous prenons la matière d'une couille, la matière d'une réserve de poubelle. Pourtant, nous avons servi. Nous avons servi, nous avons besoin de des autres solutions. Les bananes, la banane, on est qui était là. Qui fait ça, la pour de terre, la pour joignon. Get le rentré, rentre le site, tout côté. Quand tu as chose, nous avons fait un décès, nous avons fait un décès. Parce que le compost, c'est plus de l'air autour. Vous continuez à terre, vous couvrez, vous brillez, vous couvrez, vous brillez, vous brillez, vous remettez ça. Vous connaissez comment faire compost là. Vous mettez un peu de produits mouillés, un peu de produits secs, un peu de produits verts, vous brillez, vous brillez, vous brillez. C'est ce que vous avez besoin. Vous mettez une saleté, vous brillez, vous allez vous tirer. Vous tirez, vous servir, vous plantez. Vous êtes là, vous connaissez qui vous pouvez faire, vous êtes là. Un jour, vous allez vous la mettre en train de sable. Dans le sable, vous mettez un petit bout de plastique là-dedans. Une crasée de minéraux, ça m'a dit sable là. Ça, c'est aux enfants besoin là-dedans. Ou bien qu'on monte la même, on va mettre dans le sable. Là-dedans, il y a beaucoup de plastique. Les enfants besoin d'un tout, ils mangent ça, poisson, mangent ça. C'est nous qui nous faisons, nous consommons ce poisson là. Il arrive là pour nous arrêter de jeter. Si nous avons une île Maurice propre, nous avons des enfants qui ont bon la santé, qui ont bon l'éducation, qui ont tout, nous devons montrer aux autres, arrêtez de jeter. Si nous continuons à zéter, nos enfants pour zéter d'ici pareil, nous pourrions payer zéter, nous pourrions zéter polyem, jamais nous risquons de tirer tout le temps, nous disons un petit peu l'océan Indien, d'un élève, d'un dépotoir, de mal la mer, parfois même au sagrin, d'un brûlant d'imoun, d'une prochaine dégrotante mancée, sur dégrotante, ça devient la mer, d'une bien assise, d'une bien mancée, d'une bien mort, pour lui prendre sa bouteille parce que là, pour retourner sur la carte, mettre ça dehors, ça n'est pas capable. Et la solution, nous devons arrêter de faire pollution. Ou bien, peut-être que maman, mon sœur d'affaires, aussi, on a potasé. Si on a un goût là dans le potasse, ou un flair, ou un couleur, ou un plastique, ou pas être pollué. Ou vous trouvez, vous-même, ou ça, c'est une volonté là, ou pas être pollué, ou pas être zété. Ou pas être une affaire qui vous va servir, aussi, même mon ami. C'est un petit plastique qui va servir beaucoup plus, ou un petit plan flair là-dedans. Si vous avez un bout de corail, ou quoi faire une petite décoration, peut-être que moi, dans mon sœur, vous trouvez un cocon pas attiré, tout plusieurs couleurs, un cocon pas attiré, blé, dans l'autre, tout ça, un coquille, un. Ou des plastiques implantés, tous les retrides ensemble, tu parais extrasolé, ou à pour dire, c'est ça. Mais pourtant, c'est même si vous êtes dans la nature, les trop polliés. Il y a du monde, Maurice, il n'y a pas qu'à trouver un train vide. Vous m'avez trouvé les résultats, vous êtes dans le train vide. C'est quand même 30 dimensions sur la peau, hein. Il n'y a pas quoi, c'est 30 dimensions sur la peau, même lui. Il s'en s'y met, c'est pareil, il prend salter, vous êtes dans ce train vide-là. Vous avez une montagne, vous dites, ah, mais c'est pas une permission de saleté. Quelques bons exemples, vous êtes cocopit. Mais ça, c'est un produit extra bon. Mais c'est mes cocopites, lui. Il y a un grand monde qui a un grand lacé, un bel ça. Mais où est-ce que tu as un ça, ou pas ces cocopites? Mais pourtant, coco là, pour gagner partout. On mange coco, ou pas coco, ou bazar, ou aller, ou comment détendre coco là, coco, ou venez, ou mettre ces coutières sur la paille, là-dedans, on fait cocopites. Dites-vous, moi, ou tout coco partout à part là. Coco, puis ça, mais c'est tout sur la paille, une série de vie, nous fait cocopites, nous mettons flair. Oui, mais il y a une affaire, si on casse 4 masques, moi, quand c'est pied, maintenant, je suis un petit courant sol, je suis un plan flair, je suis fier de tomber là. Après, peu mal, moi, j'ai eu 15 balles feuilles dans mon lacou. Je mets une feuille, moi, pas cette l'eau aussi, mais une feuille pendant le dos. Ce qui m'a dans mon compost, c'est dans mon compost, ce qui me reste, je prends tout, dans mon carreau, j'ai un trou dans mon carreau, je mets tout là-dedans. Je mets ici, ce que bien sûr, pas mettre aucune affaire à votre feuille, pas mettre plastique, pas mettre cannabis, pas mettre nonier. Je me dis, sous feuille là-dedans, dans 6 mois, je vais la terre, je vais redébiter, je retirer, je vais mettre là-haut, pour faire dans les ordres, pour vous remplir. Je dis, une feuille, moi, pas cette. Non, moi, pas perdu. Ça pied là mon nourrir en bas, ça qui demande là où ça c'est mon réservé pour nourrir. Encore si dans le bazar, moi parfois moi je fais mon travail bazar. Si mon sang est fait dans le bazar, fait des sous, fait ça, je ramasse tout, mettre dans mon sac, je retourne la case contre moi. Moi le crête plein, je retourne en crête plein. Je prends un feuillage, je mets dans mon compost. Si là, pour mon compost plein, je prends mon mettre dans mon jardin, moi aussi pour venir le compost. Il y a beaucoup de plantes, pas de monde qui dit oh, ben, c'est difficile pour planter, c'est difficile pour le venir. Ben, avec l'amour, si on a l'amour, on intéresse une plante. Ou envie de faire planter, dit pour venir. Il ne faudrait pas écouter personne, ou si on a envie de n'importe qui plante, qui me plante, ou envie d'essayer, ou bien essayer, ou bien je vais faire avec l'amour. Peut-être moi, je moi parce qu'on est italien, un programme, je disais, tu crois que raquette, mon ami, une raquette. Mais moi, je suis italien, je vais essayer avec l'amour, là, mon CSC, je vais faire RCS, mon plante pitaya, pas même des ans, mon plante pitaya, avec près, mon bateau qui m'a planté, là, mon gars pitaya, tout. Mais 5 minutes, si longtemps, moi, je me suis craqué les strats difficiles, moi, j'avais quitté ça, puis là, maintenant, j'ai besoin de mâle, femelle, ben là, mon préval a pris qui
des bananes, mon pitaya. Il y a un lanjan, il ne se met pas à planter, moi, votre sous-sous, c'est filé en bas. Il y a pour un pitaya en bas, il passe sous-sous. Il y a une crème base. Pareil, un petit exemple nous rapport. Longtemps, il y a un sous-sous-tunnel, sous-sous-tunnel. Il y a un sous-sous, il filé là-haut, le tunnel, il y a un sous-sous. Le pitaya, c'est pareil, il y a une crème base pour dire. Une crème base, une crème colonne, il va dire monter. Les montées, maman qui monte là-haut, des tombées, des bouts de tombe, une décoration, les petits. Il y a une palmiste qui me talait là-haut. De là, vous gagnez au pitaya là-dedans. De là, vous attendez une saison, il y a un flair, ou vous gagnez au pitaya, vous gagnez. Moi, je me servis de deux principes. Un principe, je me range colonne, vous trouvez, je me fais colonne 6 par béton, je me mets 10 bouts, je me mets le pitaya. De là, je me mets un autre principe, je me mets les loin dalle là-haut, dans une grande barrique, je me mets à pendant. Les lits descendent, je gagne pitaya. Vous comprenez, ça vient de prendre l'île parce que pareil, elle allait monter à pendant. Le temps de prendre là où l'île descend, il y a un pitaya, il y a un pitaya. Il ne faut pas voir le fouille la terre, on met un bout de pitaya, il y a un pitaya, il faut filer, il faut s'envoyer. Même un amour, vous créez à prendre, guetter. Vous comprenez, il y a un pitaya. Moi, j'ai eu deux ans, mon fils a un pitaya, pourtant, pitaya est un bon fruit. Si vous en avez encore mangé pitaya, des bananes, vous donnez pitaya. Mais un exemple, vous êtes là, vous dites moi-même. Nous avons trois voyages des plans, on comprend là, on vous connaît au plan premier. Qui au plan compte, les contents de l'eau, soit les contents secs. Là, on va nous le dire. On va prendre une captice, on plante dans la mort. Une captice, c'est le désert. On va planter dans le désert. On va prendre un arôme, on plante dans un humide. Ou dans la tempête, humide, dans un sac plan, ou soit c'est sur place. Qu'est-ce qu'on pita elle-même? Les contents de l'eau, vous avez donné ce de l'eau. On va prendre, on donne ce de l'eau, de la rive, c'est ça. Vous avez assez, si on arrive saison avant l'hiver, on va venir de manger, on va venir de disser, on va venir de fumier. Si on ne trouve pas, on reste à composter, on va venir de composter, on va venir de composter. On va venir de composter, après, vous gagnez, vous gagnez. Au plan, vous pouvez me dire si vous avez un amour pour plan là, avec vous avez une vision, on fait n'importe qui plan planté. Vous avez une vision, on fait un plan là, on a envie de vivre dans le maillot qui a envie de venir. Dans un petit coin, on a envie de planter un petit pied, vous avez très bien une vision, vous pouvez peut-être mettre un pied, vous avez un pied. Nous tous les deux, nous travaillons ensemble et nous tout le temps ensemble même. Nous travaillons, nous faisons des semences, nous faisons des plantes. Nous avons un petit peu plus de développement. Et moi, je dis côté, nous faisons des déco, des coquillages. Ça, comment dire, il motive moi. Il demande, ça, il comment dire, il un plaisir pour moi, ça. Pour faire des déco. Et tout mon objet, mon page de nani, je ramasse tout. Mon petit décoration, tout mon objet qui m'a ramassé, il donne moi une idée qui m'est capable de faire avec ça. Comme un coquillage même. Ça m'a coquillage, ça pas un seul coup de me gagner tout ça. Un deux, me ramasser, me garder. Et coquillage là aussi, il va pas bien pour un coquillage là. Nous pas jeter d'ornier là-dedans, ça aussi nous manger. Sur la chair, nous manger ce coquillage là. Nous laver, nous faisons faire une quantité de travail là-dedans. Nous laver, mais tu sais, prendre les dents. Il passe au dit demain, nous faire ça. Il prend beaucoup de temps et beaucoup d'amour aussi et beaucoup de peine. Et moi, je ne pas galber à droite, à gauche. Je tiens mon idée pour moi-même. Et ça apprend, nous fait nous apprendre. Qui fait nous apprendre? Nous apprenons ça avec nos familles, nos grands-parents. Comment nous devons nous faire? Et nous ici, nous gardons cette expérience, nous apprenons avec nous-mêmes. Et ça aussi, mon coquillage là, moi aussi, mon mère de famille, mon gars, c'est un skipper. Il ramasse coquillages, il amène pour moi. Et comment vous trouvez aussi, mon père, je n'ai rien. Moi, il a, comment nous dit escargot, comment Amaurice nous dit qu'il ne coule pas. Il fait beaucoup de dégâts, mais c'est moi, il pas, nous pas jeter lui, je ramasse lui. Et je ne pas ramasser comme ça, tout de suite, je prends lui, je fais une peinture. Je me bien occupe lui, je lave lui propre, je mets sec bien le soleil. Il est là, je travaille. Et je ne pas jeter rien. Comment vous trouvez, nous avons un coco. Nous avons une quantité de coco à Maurice, mais nous n'avons pas une équipe pour faire avec ça. Et Maurice, nous avons sartini, tout ça, avec coco. Mais quand nous plaisons un coco, nous ne sommes pas bon, nous prenons et nous jetons. Et il n'est pas bon, nous jetons tout à faire, nous jetons, il n'est pas bon. Mais moi, je prends lui, je l'étoile, et quand je finis l'étoile, pas une saison, nous prenons lui, aujourd'hui, nous mettons là, nous disons, ah, il finit, non. Nous prenons lui, nous l'étoile, nous tirons sur la poussière bien avec lui. Et là, je fais sur la peinture et je mets les vignes dans moi-même. Je mets les pendant, je mets les accrochés et les fais vignes jolies. Je mets la marmite, je mets la botte, je mets la scène, je mets la savate. Je décore les. Je fais un objet, je fais quelque chose bien joli, bien intéressant pour lui faire un grand plaisir.
quand nous pensons, nous sommes capables de vivre autonomes. C'est-à-dire, nous sommes indépendantes, nous plantons nos propres affaires et nous sommes capables de dépendre de l'eau-là dans le cas qui nous n'ont pas de problème sur le marché pour trouver un produit. Et l'eau-là, nous mangeons des affaires frais. Alors, quand nous vivons autonomes, nous devons penser, premièrement, que quand nous commençons, comment nous pouvons faire? Parce que qui fait, beaucoup de personnes, je commence à faire un peu de plantation, après je suis découragée. Mais là, nous devons guetter qui va nous faire, qui est important. Quand nous pouvons planter sur la terre, bon, nous pouvons connaître quand nous pouvons planter des affaires, comment nous plantons comment nous plantons fruits à pain. Qui, quand nous venons autonomes, qui nous peut dire, nous plantons bonnes affaires, premières affaires, qui nous capables pour remplacer le riz, macaroni, tout ça. Nous avons nous avons manioc, nous avons patates, nous avons fruits à pain. Ça, c'est bonnes plantes de base. Maintenant, est-ce qu'il nous capables de planter partout, de n'importe quelle condition dans la terre? Nous devons guetter qui qualité la terre, nous avons. Et ce qui est important, justement, quand nous avons un terrain, là, nous guettons ce qui la terre c'est. Ce qu'on nous peut trouver, comment nous peut connaître si la terre là, c'est bien la terre humide ou bien les rocailleux, les trop secs. Nous pouvons connaître les temps nous guettons ban plantes naturelles qui poussent l'eau là. On appelle ça nous dire ban mauvaises herbes. Au fait, c'est pas ban mauvaises herbes, c'est dans notre fonction ça ban l'herbe là. Pareil en place nous tout bois l'eau. Qui poussait beaucoup. Nous trouvons comment ban papyrus. Nous trouvons ça veut dire nous connaît terrain là, c'est un terrain qui humide. Là normalement automatiquement quand nous pour plante ban affaires humides qui content de l'eau, il pour pousser, mais quand nous pour plante ban affaires qui sec comme patate là, il pour difficile. Là c'est comme ça qui nous connaît qui nous capable planter pour qu'il nous réussit. Maintenant une chose. Quand nous pouvons planter, nous bien connaît qui est dans une plante comme un légume. Beaucoup de légumes sont fragiles. Alors nous pas directement plante ban légumes. Pour nous capables d'être autonomes, nous plantons ban fruits. Ban fruits, oui, ils peuvent prendre un an, deux ans, mais nous commençons à planter. Parce que les légumes, nous devons cuire des fois, mais ban fruits, si jamais nous pouvons manger, nous connaissons ban fruits, nous pouvons manger même cru. Et je prends au plus aller un an pour gagner. Et nous plantons ban fruitiers. Les là, entre-temps, nous préparons nous la terre. Comme on déjà dit les autres, la terre nous pas laisse découvert. Ça va l'herbe là, nous pas rasli, nous coupli. Nous taille l'herbe là, après nous capable faire aussi. Si jamais nous la terre, comment on dit, trop humide, nous capable l'herbe là rempli li, mettre l'autre laisse l'eau là. Ça veut dire nous faire comme une lasagne. Nous mettons du bois, nous mettons fumier, nous taillons l'herbe qui dessine dans la cour, des branches, des feuilles, nous faisons vivre en hauteur, en mètre à peu près, nous laissons pourrir, là nous ne plantons pas là-haut. Comme ça, nous ne gagnons pas de l'eau dans nos plantes. Ça, c'est une affaire. Là, quand nous avons fruitiers et commencent à pousser, nous gagnons de l'ombre aussi. Parce qu'il y a une plante, ce n'est pas autant trop soleil. Si jamais nous avons une sécheresse, il y a un problème, nous avons des légumes, les lasses se sèchent vite. Nous avons tout le temps de l'eau pour arroser. Mais quand nous avons un pied tout autour, il fait une ombrage qui protège les petits légumes. Nous avons mis des légumes fins, comme un persil, comme une salade, une bread. Là, nous faisons en bas l'ombrage, nous avons planté. Ou bien comment nous capables de mettre une plante qui filet, nous capables mettre comme un sous-sous dans un terrain humide, ban comme un melon, calbas, cocom, ça nous met dans un terrain sec dans l'été, bringel, tout ça là. Voilà, là nous avant nous prépare nous l'environnement parce que ban plante là, je peux commencer à adapter par rapport à l'environnement. Thank you.
moi pas fin faire aucune étude de plantation. Depuis tout le temps, moi fin avec ban plante, moi apprends con ban plante en vivant avec ban plante. Par exemple, là moi ban plante tomate, je gagne puceron là en ce moment, nous gagne beaucoup puceron. Qui m'a fait moi pas nous remettre aucune les autres affaires là ban plante là. Quand moi arrosé, moi rose lit avec pression, plante là l'il lave. Donc les là qui m'ont trouvé est vraiment les gain ban bourgeon qui beaucoup ban petit sorti parce qu'il sait qui me comprend moi qui ban plante là je suis content aussi quand je peux gagner de l'eau c'est comme si je peux prendre un bain et ban pucheron là moi besoin dire je n'ai plus et moi peux gagner aussi ban problème d'araignée qui peut bien faire ravage. Au lieu qu'il me arrache mon plante, au lieu qu'il me arrache mon bridli, me donne plutôt ban bain. Et à mon étonnement, il fait fourni et il peut gagner plus de tomates. Ici, comment je peux trouver par rapport à place? Je fais une plante en hauteur sur le toit de la maison. Et je suis obligée de mettre une vitrée là pour gagner l'odeur, le soleil. Et pour les protéger mon plante contre du vent. Mais là, nous trouvons en hiver, il est bon, mais là, en été, il fait chaud. C'est là que l'arrosage est bien important. Et à ce moment-là, pour gagner l'air, mon besoin ouvert ban fenêtre là. Ça c'est ban affaires qui nous besoin guetter qui par rapport à nos ban structure. Et aussi parce qu'il y a la tôle normalement soleil pour chauffer, mon pas les ban plantes là viennent trop haut parce qu'ils ont pour brûler les lames taille à une certaine hauteur. Mais automatiquement quand on taille une plante c'est qui moi me trouver les rebousonner quand les tiges juste une petite tige les vient plusieurs tiges et les fait plusieurs bourgeons et là justement aussi me trouver qui les gagne plus de fleurs. Mon pas assez salade. Ce qui arrive, moi, les siffles sur la grain, ils tombent par lui-même, on peut gagner les autres pour consommer, les là par lui-même, les repousser. Ce qui fait qu'il fait moins l'économie, moi, je suis capable de manger depuis que moi. Là, moi, pour dire les autres, pareil comme en grenadine, pendant ce temps qui nous gagnons grenadine toute longue l'année jusqu'au mois septembre, et nous gagnons tellement que même quand nous gagnons pendant 2 mois, les temps les recommencent à pousser, les recommencent pour reproduire. Moi, j'ai une grenadine qui m'a ramassé, m'a mis dans le frigidaire, m'a capable de faire jus. Alors souvent, nous, les ménagères, nous gagnons des difficultés, nous ne connaissons pas qui nous a mangé. Alors nous gagnons vraiment une idée, nous inventer, nous trouvons ce qui nous est dans nos jardins, nous sommes capables d'innover. Et surtout quand nous faisons avec amour, nous finissons oublier si nous avons assez budget, mais nous avons une solution dans la cour, nous avons mangé un petit queue d'oignon, un petit laquelaï. Un peu basilic, il vraiment change les affaires. Et c'est là qu'il nous apprécie quand nous un contentement et quand nous sommes capables de manger nos propres affaires qui nous plantent. Alors, en même temps qu'il nous peut planter, nous pas faire une plantation, nous faire, comment dire, une joie de vivre, un environnement agréable. Les là qui nous fait nous planter
nous essayons de décoller un peu. Quand nous arrivons dans une lase, nous fatigués, là qui nous fait? Nous mettons pas de tuyau en hauteur, nous mettons pas de drôme là, nous mettons la terre. Nous pas besoin de baisser parce qu'il nous gagne douleur, nous pas sentir nous bien. Ça, c'est une raison qui fait me mettre en hauteur. Et deuxième raison, nous nous fermer. Et quand nous nous fermer, la pluie, soleil, parce que des fois, il fait trop chaud, nous pouvons vivre des hauts dans le soleil, mais nous pouvons faire l'île le soir, dans l'après-midi. Alors, c'est pour ça qu'il est en hauteur et il est fermé. Après, par rapport aussi, il y a beaucoup d'insectes qui bouffent les plantes. Mais dans le soir, nous faisons un petit retour sur nos terrasses. Et il est agréable. Nous assisons en même temps, nous tous nous bonnes plantes. Et c'est un bon moment agréable qui nous a passé. On dit que nous pouvons rester dans quatre murs, mais nous parmi les bonnes plantes. Et surtout, nous pouvons gagner un beau temps là, vraiment. Nous ne connaissons pas nous pour aller, mais nous là, dans nos ordres, il est tellement bien qu'il nous prend vie sortie. Donc nous avons un bon fauteuil qui nous capable relaxer, en même temps nous mettre là, nous assiser, nous capable admirer notre travail. C'est une satisfaction personnelle qui nous gagne. Comment dire, c'est une cause avec nous. Un côté, on fait ça, l'autre côté, en hauteur, on met des légumes. Aussi, moi, j'ai besoin de dire, moi, j'ai une poule. Pas beaucoup, nous l'intégrons dans nos systèmes de plantation parce que ça va pour là, nous gagnons de fumier et ben pour là aussi, se aider quand nous finissons récolter, se mélanger dans la place pour planter, se nettoyer la terre là, se faire le travail pour nous. Mofin servit ben l'espace à bon escient. Justement, tout ben coin qui m'ont gagné, m'ont essayé chaque petit coin mettre quelque chose, m'ont fait un peu esthétique pour y gagner un coup d'œil et en même temps, je peux trouver m'ont fait un jardin en bas dans la terre, m'ont fait le toit de la maison et nous vont montrer eux encore net là-haut le toit, nous n'en l'autre l'espace quand mon pas fini dans trop par rapport avec à cause de la terre, de l'eau, tout ça. Je me mets plutôt dans la roue, l'eau, la case. Et ça, c'est l'espace qui nous servit.